Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer à décorer et à ranger la maison. Alors pour cela, je vous emmène dans ma buanderie. J'avais déjà fait une vidéo sur ma buanderie, mais ça fait très longtemps et j'ai décidé de faire deux petites mises à jour que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors tout de suite, on va commencer, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Des amis m'ont fait savoir qu'elles ne recevaient plus les notifications. Il paraît que ça arrive souvent, donc je vous demande très respectueusement si vous pouvez vérifier que vous avez la cloche de notification activée. Comme d'habitude, je vais vous faire l'état des lieux. Donc voilà à quoi ressemble ma buanderie. Il y a deux côtés. Alors il y a un côté pour les machines et de l'autre côté c'est pour le rangement, et il y a aussi un évier. C'est une pièce assez étroite, mais je vais faire de mon mieux pour vous donner de meilleurs angles. Je vais commencer par la partie machine à laver. Donc je vais accrocher ce tableau et cette partie de la pièce est beaucoup plus claire. Mes paniers n'ont pas changé, je vais donc mettre mes détergents. Je préfère les laisser dans les bouteilles, j'ai vraiment essayé les galons mais ça n'a pas marché. Donc chacun a son organisation. Là, ce sont des cintres. D'habitude, je les accroche donc à cette rack, mais je vais les ranger. Parfois, je sèche les habits directement sur le cintre. Je peux aussi les accrocher sur cette rack murale. Ça ne prend pas beaucoup de place. C'est une rack qui peut prendre jusqu'à 5 cintres. Et c'est beaucoup plus pratique au lieu d'avoir une grande barre qui traverse toute la pièce. Et quand je finis, je referme. Quand je n'ai plus besoin de mes cintres, donc je les mets dans ce panier. Passons au comptoir maintenant. Je vais prendre donc ce bocal. À l'intérieur, il y a des spreadsheets, donc c'est pour faciliter et accélérer le séchage. Pour garder le parfum et l'humidité, je vais mettre le bocal dans cette grande boîte. Je vais aussi mettre les dry balls, donc les boules. Je vais les mettre dans la boîte et je préfère avoir tout à un même endroit. Vous pouvez aussi les exposer, mais aujourd'hui je vais donc les mettre dans cette boîte qui fait un peu vintage, et cette boîte je l'ai achetée à HomeSense. Ensuite, je vais décorer donc avec ce vase. Il était dans le bureau, mais je vais le mettre là. Je trouve qu'il fait un peu diffuseur. Et de l'autre côté, je vais mettre donc une plante. Ensuite, je vais prendre donc ce petit plateau. Je vais y mettre des serviettes que je vais enrouler. Je vais prendre donc ce plateau à deux niveaux et je vais y placer toutes mes huiles essentielles, les parfums des diffuseurs. Avant tout, je vais donc placer un essuie-tout sur le plateau, parce que c'est de l'huile, si ça se renverse, ça va salir le bois et puis ça va laisser des traces et ce sera difficile à nettoyer. Alors toutes ces huiles vont aller sur ce plateau. Elles étaient éparpillées un peu partout dans la maison, il y en avait dans la cuisine, dans le salon, bref, un peu partout, donc j'ai décidé que ce soit à un seul endroit. Alors pour terminer ce côté, je vais essuyer donc la machine à laver et la machine à sécher pour leur donner un peu plus d'éclat. Voilà, le premier côté est fait, nous allons passer au deuxième côté. Je vais commencer par les armoires. Donc là, ce sont deux paniers à linge que je vais placer dans cette petite lucarne. Ensuite, il y a sous l'évier, donc vous voyez, c'est toujours clean. Je vais y placer donc un panier où il y aura des suppléments de produits. Ensuite, je vais prendre cet accessoire, c'est pour poser les produits de ménage. Je ne vais pas remplir parce que ce n'est pas là où je garde les produits de ménage. J'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais le placard à balai et c'est là-bas que je range tout. Donc là, c'est vraiment le strict minimum. On continue, on va du bas vers le haut. Là, c'est un tiroir, il n'y a rien à ranger, donc on va passer. Nous allons passer au comptoir. Je vais remplir donc ce canister avec ces billes parfumées.
Enfin, le troisième et dernier niveau, je vais prendre donc mes paniers, je vais les encastrer pour gagner de l'espace. Ce sont des paniers que j'utilise quand je repasse. Ensuite, je vais prendre ces serviettes. Vous voyez, je peux passer d'un côté à un autre sans problème parce que les comptoirs ne sont pas encombrés. Je vais mettre une plante pour donner un peu de couleur à cette place et donc toujours esthétique et fonctionnalité. Ensuite, je place mon Febreze, un rouleau et bien sûr pour parfumer la pièce, je vais mettre ce diffuseur à la senteur vanille. Pour terminer cette décoration rangement, je vais prendre cette planche à repasser ainsi que mon fer à repasser qui sont accrochés sur la porte. C'est pour gagner de l'espace. Je vais aussi mettre le tapis sur le plancher et je vais ranger l'escabeau. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées déco et organisation. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.